Salut, on est très proches. Hello les petits gars, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. Ne pensez pas que je suis nue, j'ai un haut, mais sans manche, donc voilà. Au programme, je dois trouver un cadeau d'anniversaire pour ma grande sœur. Je dois passer au shop de la Belle Boucle qui a ouvert récemment. Et vu que c'est les soldes, on va aller faire un petit tour chez Citadium. On va peut-être trouver quelque chose. C'est parti! Je vous avoue, j'ai une petite appréhension. J'ai déjà un peu vlogué dans la rue, mais j'étais pas toute seule, donc ça allait. Mais là, je vais être toute seule. Je vais pas être très à l'aise. Papi! Premier arrêt, on va aller chez les Poupées Lyon. C'est des petites créatrices lyonnaises qui font des super jolis vêtements. Et je sais que ma soeur avait eu un petit coup de cœur sur certaines pièces, donc go! Quand même, bonne journée, au revoir. Bon les petits potes, les pièces qu'elle a vues sont pas dispo, donc je suis un peu déçue. Il y a un autre magasin de créateurs juste à côté, je vais aller voir, mais j'ai peu d'espoir. On va jeter un œil. Je vais avoir cela, mais ouais. Quoi, il n'y a pas d'oiseau. Il n'y a pas d'oiseau. Qu'est-ce qu'elle pourrait aimer? Ah. Les petits loulous. Je suis passée chez Rose Carbone et au final j'ai trouvé le truc parfait que ma soeur va adorer. Je vous le montre là. Puis bah je vous mets leur Insta juste ici. Et puis bah allez jeter un oeil parce qu'ils font vraiment de super jolies choses. Si vous êtes de Lyon, il faut absolument passer à la boutique Rose Carbone rien que pour la déco. C'est incroyable la déco, ce qu'ils ont fait, c'est juste hyper atypique, c'est trop chouette, c'est trop mimi. Donc je vous encourage, si vous êtes lyonnais, à passer les voir. Voilà. Maintenant, direction la Belle Boucle, c'est parti. J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde et que je pourrai trouver mon bonheur. Lavande, comme par exemple la poudre de cidre, la poudre de jicataire et le rasoul. Donc ça c'est des poudres qui peuvent vraiment remplacer ton shampoing. Hello les gars, on est avec Laurine qui vient d'ouvrir son shop, la Belle Boucle. Donc félicitations. Merci beaucoup d'être venue, ça me fait trop plaisir. Voilà. Vous pouvez plein de belles choses pour tes bouclettes. Ouais. On fera un retour bientôt et puis je vais faire une démo de tous les produits, bah, les tester et puis voilà. Avec plaisir, merci beaucoup. Je connaissais pas personnellement Laurine, je l'ai découvert il y a pas très longtemps sur les réseaux et franchement un amour cette fille. En plus elle s'appelle comme moi donc génial. Mais franchement un amour, elle est adorable, hyper abordable. Son salon est incroyable, j'ai tellement hâte que la partie salon de coiffure ouvre pour aller me faire couper les cheveux, pour aller me faire coiffer. Ça a l'air génial. Et puis tous les produits qu'elle vend, c'est top. Donc je vais vous faire un petit test dans pas longtemps, je pense, des produits que j'ai achetés. Du coup, je vous encourage grave à passer au shop de la Belle Boucle. Je vous mets l'adresse juste ici et son Instagram. Allez voir, c'est vraiment trop chouette le shop. De toute façon, je vous ai montré les images. Il est trop mimes. Maintenant, direction Citadium. Petite parenthèse, il y en a que 9 en France. J'étais pas au courant, il y en a vraiment pas beaucoup. Donc peut-être que certains vont découvrir ce qu'est Citadium dans cette vidéo. Le
petit tour en ville s'est super bien passé. J'ai trouvé ce que j'avais à trouver. Le petit haut de ma sœur pour son cadeau d'anniversaire chez Rose Carbone. Trop trop beau. J'ai trop hâte qu'elle l'ouvre et de voir son visage s'illuminer. Chez Citadium, j'ai trouvé pas grand chose. Un bob. Encore une fois. Il était à moins 50%. Il est beaucoup trop beau. Regardez-moi ça. Cette beauté. Voilà, bon ça va pas avec mes chutes bien évidemment, mais moi je le trouve trop beau. Bon bah je vais le garder. Et puis voilà mes petits produits label boucle. J'ai eu un petit tote bag, je suis trop contente. Il est beaucoup trop mims. J'ai pris un diffuseur. J'ai acheté un shampoing Désert Essence sous les conseils de Laurine. C'était un amour d'ailleurs, je le répète. C'était un amour, elle m'a trop bien conseillé. Hâte de tester les produits. Un conditionneur à la camomille spécial pour les cheveux bouclés. Donc pour l'été, je me dis que c'est super chouette ça. Comme ça au moins on garde le blond et tout, tout ça, tout ça. Et j'ai pris deux poudres powder. Donc j'en ai pris une à la guimauve biologique et une autre à la banane. En fait ça va me permettre de faire un masque pour mes cheveux. J'ai le shampoing, l'après-shampoing qui va m'aider à démêler et le masque que je vais faire une fois par semaine. J'avais vraiment envie de tester les petites poudres, j'avais vu ça dans les vidéos de la Belle Boucle sur son compte Instagram et j'avais trop envie de tester, donc là c'était l'occasion. Et là donc j'ai acheté poudre de banane et poudre guimauve pour pouvoir faire un petit mélange masque pour mes cheveux. On va aller tester tout ça. Puis on va commencer à préparer le masque avant d'aller se laver les cheveux. Donc je mets 2 cuillères de poudre de guimauve biologique, 2 cuillères de poudre de banane biologique. Je vais mettre de l'eau chaude. Merde, j'en fous de partout. Trop bizarre. Ma vieille tête là. Bon, du coup, mes cheveux c'est un mess là, c'est vraiment n'importe quoi. Donc je vais tester le shampoing à la noix de coco et le masque que j'ai préparé, qui est c'est un masque de soin qui démêle au passage. Du coup je vais pas forcément utiliser le démêlant que j'ai acheté. Donc ce sera pour une autre fois le démêlant. J'ai mis un haut de maillot de bain, histoire de choquer personne. Voilà. J'ai peut-être mis un peu beaucoup de shampoing. J'ai une autre tête. Ça me fume. Ah. Je démêle. Je vais essorer mes cheveux un petit peu. Salut, on est très proches. Maintenant je vais appliquer le masque. Pour tout vous dire, ça sent pas très bon. Mais après c'est pas grave, il y a les produits coiffants à la fin. Donc l'odeur en soi on s'en fout. Je vais m'appliquer le masque et puis après je vais mettre la serviette autour de la tête. Parce qu'apparemment il faut laisser poser. Elle disait qu'il fallait faire un gros un peu mèche par mèche. Je sais pas dans quoi je m'embarque, mais bon. C'est un coup, je fais n'importe quoi hein. Moi j'essaye un peu de faire de nouvelles choses. Mais je m'y connais pas trop. N'empêche, on est grave intime aujourd'hui, genre je vous invite dans ma douche. Qu'est-ce qui se passe? On dirait que j'ai pas de cheveux. Du coup j'ai mis une serviette en microfibre sur ma tête pour que ça repose. Mais là je sens qu'on commence vraiment à devenir intime, donc j'espère que vous appréciez vraiment cette partie du vlog. Et puis à tout de suite pour le rinçage. C'est parti, la demi-heure est passée, je vais enlever la serviette. J'ai grave peur que j'ai fait une bêtise et qu'en fait il fallait pas laisser poser. Et j'ai peur que mes cheveux soient tout secs, tout bizarre. Je rince. Par contre je suis choquée de la texture de mes cheveux, qui est hyper agréable, hyper souple. Trop... c'est trop bizarre, j'ai pas l'habitude qu'ils soient comme ça. Je me suis légèrement trop essoré les cheveux. Du coup, je vais me repipiter un peu d'eau. Génial ce truc. Et je vais mettre mon premier produit coiffant, qui est le cœur nectar des secrets de Loli, que j'ai depuis déjà 3 mois, il me semble, et il est encore blindé.
Le deuxième produit coiffant, Boost Curl, toujours des secrets de joli. J'adore ce qu'ils font, leurs produits sont vraiment trop top. Une petite noisette, je frotte et je scrunch mes cheveux, comme dirait la belle boucle. Maintenant je vais laisser mes cheveux sécher au naturel et puis on se retrouve quand ils sont secs. Mes cheveux sont secs. Voilà mes cheveux après un séchage naturel. Ils sont hyper doux, hyper brillants. Regardez, je les trouve hyper brillants. Et j'ai hâte de tester le démêlant quand je me relaverai les cheveux. En tout cas, les produits, c'est approuvé. En plus, c'est naturel. C'est parfait. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce, un petit commentaire. Venez voir mon compte Insta au passage et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut !